Hey yo tout le monde, c'est PokéPlays, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de Pokémon version noire random. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, on n'est pas en compagnie de Swiss Windows, il n'est pas là. Mais c'est pas grave, il apparaîtra dans les prochains épisodes. Les prochains épisodes, je pense qu'il apparaîtra, qu'il viendra m'aider. Voilà, donc on avait battu Bardane, voilà, donc on va se diriger vers le centre Pokémon afin de soigner notre fine équipe composée donc d'Orfeu. Alors attendez, je vais juste bouger un truc. Hop. Voilà. Hop. Alors, notre équipe. Voilà, Orfeu, Métamorphe et Latios. On va aller faire un tour au centre Pokémon, histoire de... Hop. Bon. Voilà, on soigne les Pokémon. C'est cool. C'est cool, hein, j'ai envie de dire. Voilà, à bientôt. Allez, salut madame. Hop. Allez, c'est parti. Eh oh, Lucas. C'est Bianca. Ouais. Ok, combat les gens. C'est parti. Alligator, ok. Il a un poster, ok. Donc il se transforme en moi. Part sur un Spatio Rift. Ah, il a Spatio Rift. Oh le con. Oh le con. Aïe. Ça fait mal. Voilà, one shot. Chape en feu. Hop. Et ben on va faire pareil en fait. Début calme. Oula, faut faire attention là. Orfeu. Allez, vas-y, Orfeu. Je peux le faire. Oui. Solarock. Alors Solarock officiellement n'est pas considéré comme un légendaire. Voilà. Il a deviné Giga Impact. Ok. Éclat glace. Pourquoi pas? Ça fait vraiment pas mal. Hop, one shot. Niveau 39, c'est parfait. Et merci pour les 40 abonnés, ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez à vous abonner, il y aura du contenu sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, on a fait one shot avec tous les Pokémon avec que du Giga Impact. Super. Eh ben c'est cool. Ok, la CS de vol. Eh ben on va peut-être la prendre à quelqu'un. Si un de nos Pokémon peut la prendre vol. Oula. Allez, c'est parti. J'ai juste programmé une touche avec vous pour les... contrôle pour voir l'écran du haut, comme ça vous allez faire avec moi. Ah ouais, bah j'en ai déjà programmé une en gros. Voilà. Oui. Alors, pas apte, apte. Oh bah vas-y, métamorphe. Hein. Allez, on va faire un coup au centre Pokémon. Comme ça, on peut voler instantanément dans la ville qu'on veut, une ville déjà visitée. Donc là, on va se diriger vers la prochaine grotte, qui est la grotte Électrolyte, avant la ville de Parsemil. Voilà, c'était la petite info, utile ou pas, je ne sais pas. Je vais juste déplacer le micro. Allez, viens, parle à toi. Voilà, c'est nickel. Hop. Alors, on m'a posé plusieurs fois pourquoi mon jeu tombe bien, parce que mon ordi est puissant, tout simplement. Même quand j'enregistre, le jeu tourne vraiment bien. Ils ont que j'ai un ordi puissant. La config est dans... Route 6. La config est dans la description si vous voulez, je vais la mettre. Voilà. Mais le PC date quand même de 2009, donc les éléments, je pense que maintenant ils seront introuvables. Hein. Un Shaofuin. Parce que les éléments qui composent mon ordinateur, ils se vendent plus maintenant. Voilà.
Tout simplement. Mais bon. Voilà. Alors contrairement à ce que vous pensez, mon processeur n'est pas un Core, voilà, c'est pas un i3, un i5 ou un i7, c'est un Pentium, un Intel Pentium, voilà. Enfin, vous aurez les références dans la description de toute façon, ne vous inquiétez pas, ainsi que la fréquence du processeur. Qui est de 2,7 GHz, voilà. C'était une petite info comme ça, mais vous aurez tout dans la description, ne vous inquiétez pas. Rose bouton. Bah non. Voilà. Ton cas est intéressant. Tiens, aide-moi pour une expérience. Voilà, ça fait la musique de scientifique, ça fait bien la musique de qui fait peur. Voilà. Hop. Bon. Alors, Spatio Rift, défense plus, ok. Ça lui fait presque rien. Bon, vive attaque. Il a quand même un dracarment et c'est pas rien, j'ai envie de vous dire. Bon. Faut partir sur la méthode forte. Voilà, ça fait assez mal. D'accord, c'est quoi ça en fait? Ok. Le contre-coup, merde. Ne paralyse pas. Ne te paralyse, merde. Oh là là, leur feu, tu fais chier. Oui, oui, c'est bien. J'ai rien dit. Voilà, on l'a battu. Bon. Est-ce qu'on a... oui. Ok, super. Shaofwin. Ok, bon. Oula, il y a eu un petit problème. Pas... Un petit ralentissement du jeu. Je vais juste regarder un truc. Je regarde juste un truc. Ok. Voilà, je suis en train de mettre l'épisode numéro 13 avec Astuce Windows en ligne. Les Pokémon avec la peau sèche adorent l'attaque de type eau, la pluie. Enfin, je veux dire les Pokémon qui ont la capacité secret spéciale peau sèche. Il y a un ranger, on l'a évité, enfin une ranger. Noirfang encore. J'ai l'impression que le jeu se ralentit quand il y a des Noirfang, non je rigole. Je suis méchant avec Noirfang moi. Il y a une madame avec un parapluie rose. Ah, encore un scientifique. Donne tes Pokémon à la science. Non, je les donnerai pas. Désolé, hein, mais voilà. Un écrapince. Désolé aussi si le jeu est peut-être un peu plus lent, mais j'ai des mises à jour Windows à faire, comme tous les jours, enfin pratiquement. Et du coup, ça ralentit l'ordi, et j'en suis vraiment désolé. Voilà. Bon, on sent pas la différence, mais moi je la sens pas non plus d'ailleurs, mais bon. Peut-être que le jeu est un peu ralenti. Merde. Voilà, j'ai oublié de remettre l'écran du haut. Ah, Giga Impact. Ah, ça lui fait quand même la moitié des PV. Et voilà, c'est KO, c'est bon. Il a vraiment un Pokémon scientifique, hein, franchement. Normalement, ils ont des Vivaldins, parce qu'ils font des expériences avec les saisons. Alors, c'est quoi ce labo, là? Enfin, ça va être un labo, j'imagine. Hein. Bureau d'études des saisons, c'est ce que je disais, voilà. On va rentrer dedans. Ah ouais, mais il faut que je trouve un Vivaldin. Ouais, mais je le trouve où ton Vivaldin? En plus, il faut que j'en trouve
Ah mais j'en ai pas. Ouais mais moi j'ai besoin d'avancer dans l'aventure. Donc je vais vous dire à plus. On reviendra les prochaines fois. Désolé. Voilà. Allez madame. Je vais percer à jour les mécanismes qui te donnent ta force. Ok. Ok d'accord. C'est madame hein. Ouais c'est ça, c'est madame. Elle s'appelle Chloé. Ta mère Chloé. Ta mère Chloé. Elle est ta mère Chloé hein. Allez. Un spatio. Chloé. Boum. Alors, et Marie, tu es cruel. Bah voilà. Ok. Non, mais j'ai une Pokéball, moi. Coquille-perle. Oh. Je connais déjà les noms des Pokémon, hein. Ok. Merde. Non, mais non. Noctalie. Oh, pas mal. Ouais, mais non. Oh, c'est un Pokémon. C'est un Tropignon. C'est un Tropignon. Ça, c'est par contre, c'est pas random. Pas. Bon, c'est pas grave. On va l'éviter. Hop. T'as un monsieur, toi. La grande électrolyte. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Grotte électrolyte. Ah, bah, il y a une tombelle d'araignée. Hein. Je suis grand bon passé, moi. Ah, c'est Bardane qui arrive pour me l'enlever. Ah, ok, d'accord. Top pour moi. Une toile de Mégavolt. Une toile de Mégavolt. Allez, Scroco, vas-y. Nickel. Danse du feu. Eh, mais c'est pas cool, ça. Attendez. Je vais retourner peut-être à Port du Neuf pour acheter quelques repousses. C'est utile avant de faire une grotte comme ça. Surtout qu'on en a pas, je pense. Hein. Ouais, on en a pas. C'est ce qu'on va aller chercher à Porionev. Alors, c'est qui a vol déjà? Ah oui, j'ai métamorphe. Allez. On va aller sur les nouveaux Pokémon, hein, en passant. Hop, attendez. Je vais faire avec vous. Publier. Et voilà, l'épisode numéro 13 de Pokémon Random a été publié avec vous. Voilà. Je vais aussi faire ça, en attendant, aussi. Parce que... Voilà. J'ai vidé ma corbeille. Je fais tout avec vous, c'est pratique. Moi je veux acheter, ouais. Moi j'ai assez d'argent. Je vais acheter une bonne quinzaine. Allez 20. Voilà, ça fera 20. Là on peut pas voler jusqu'à la grotte électrolyte, c'est dommage. Hop là. Alors, voilà, comme ça on est tranquille. Il y a une Pokéball, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de pas se faire les... On va essayer de pas se faire les dresseurs. Oui, c'est bon. Tranquillement. Allez, c'est parti. Ah, il y a N. Oh, le trio des ombres. Suis-nous. Maître,
Votre ordre a été exécuté. D'accord, le trio des ombres, ok, d'accord, Megavolt, nana, ok, la grotte électrolyte. Ouais, je réponds oui, hein, au hasard, au pur hasard. Par pur hasard, j'ai envie de dire. J'en ai rien à foutre, non, je rigole. Hey, oh! Ah, Bianca. Non, je sais que... Ah, mais professeur qui était derrière. Désolé si le jeu est ralenti. Hein. Œuf chance. Oh, ça c'est bon. Il gagnera plus d'expérience. Bah, autant le faire tenir à Orfeu, j'ai envie de dire. Après, on échangera et tout. Et bah voilà. Comme ça, il gagnera des bonus d'expérience. Ok, j'ai compris le concept. Sans, comme je vous ai dit, sûrement je connais le jeu par cœur. Ok, donc là, on peut pas par là. On peut par là, par contre. Oula. Ah, vous inquiétez, je connais. Vous inquiétez pas, je connais par où. Enfin, je sais par où il faut aller pour atteindre la sortie. Pour atteindre Parsemile, voilà. Un Cranidos, ok. Allez, Orfeu, c'est ton jour de sang. Je vais pas switcher l'écran. C'est assez chiant. Attaque plus. On va finir sur du cruel. Rune Protect. Et bah voilà. Hein? Ouais, c'est bon. Hop, ici faut faire ça. Voilà, pour avoir la Pokéball, c'est pratique. Voilà, j'ai juste fait ça pour prendre la Pokéball, mais la sortie n'est pas par là. Il faut faire comme ça pour avoir la sortie. Alors, il faut retourner là et prendre cet escalier là, tout simplement. L'effet de repousse d'ici. Bon, on va en prendre un autre. Tout simplement, hein. Hop, on va chercher la Poké. Bon. Si je suis apte à affronter les Pokémon, bien sûr. Quelle question. Il s'appelle Washington, le mec. Il a un poncho niveau 31. Ok. What else? Évite l'attaque. Psycho. Le mec a psycho, quoi. Mais... Déjà, tu vas te calmer. Voilà, déjà, hein, premier... Voilà. Attends, le mec, il s'est déchaîné sur moi, quoi. Avec son poncho au niveau 31, là. Perle triple, bon. Qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas, et je m'en fous, mon proche. Bon, c'est pas par là. Hop, c'est comme ça. Dégage, voilà. Voilà, et comme ça. Tout simplement, et la sortie est par là, hop. Ils reviennent. Non, c'est pas très haut des ombres, ok. Ok. On va soigner Orfeu avec une super potion. Voilà. Et là, on va faire ça, et c'est par là qu'il faut aller. Voilà. Suis-nous. Bon. Oh, on va vite. Non, bah, je vais à la Pokéball, pardon. Un escalier se trouve dedans. La Team Plasma t'attend. Oh, on va affronter la Team Plasma. Et bah, on fera la Team Plasma dans le prochain épisode, mais on va d'abord atteindre l'escalier avant. D'accord, ok, donc c'est comme ça. Voilà. C'est parfait. Et donc l'escalier est juste là. Allez, on va se faire la dresseuse avant.
Bah on va faire Cruel. Jonathan, genre c'est un garçon quoi. C'est un travesti. On a trouvé un travesti. Hop, super efficace, nickel. C'est tout ce qu'elle avait. Ah bah dis donc, c'est maigre hein. Et bah voilà, on vous sera la team placement dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Merci encore pour les 40 abonnés, c'est super. La FAQ 50 abonnés, n'hésitez pas à poser des questions à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Vous avez 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je rigole. Bon, bah, je vais la laisser jusqu'à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour vous poser n'importe quelle question, des conseils si vous avez des conseils à me dire, pour m'améliorer dans mes vidéos. Tout ce que vous voulez, vous m'envoyez ce que vous voulez. Mais pas des messages d'insultes ou autres messages haineux ou commentaires débiles. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le site internet, télécharger la petite application. Sur ce, moi, je vais vous dire à plus dans une prochaine vidéo. En attendant, vous êtes super pour les 40 abonnés. Merci, bye tout le monde.